Salut Léna, merci pour le retour. C'est toujours un plaisir de pouvoir donner mon opinion à un fin connaisseur et à un vrai Marocain, tu vois, qui lutte pour la gloire de son pays. Donc, on est obligé d'être avec toi, tu vois, c'est une obligation, même si on est loin. Et bon, concernant ce que tu as dit, c'est dommage qu'on ne peut pas compter sur toi, peut pas compter sur moi parce que je suis professionnel. Si il y a le moyen de travailler autant que professionnel. Dans le professionnalisme, je suis partant, mon cher ami. Il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il me donne les conditions, comme tu as dit, qu'il donne à tout le monde, que les gens ne savent pas faire, ne savent pas utiliser. C'est vraiment dommage, parce que je suis tout à fait d'accord. Je suis le championnat marocain par la télé ici, chez moi. Il y a vraiment des très bons jours, surtout IRT. Et c'est des jours qui pouvaient faire la différence, à part d'aller être super motivé pour l'opportunité de jouer dans l'équipe nationale. C'est vrai, mais il faut changer, il faut que les gens ils se bagarrent, il faut que les gens ils fassent le tout pour le tout, pour changer ça, cette mentalité, parce que le Maroc il ne mérite pas être où il est. C'est très simple, tu vois, c'est comme on dit dans le vrai marocain, Rchouma, Rchouma. Mais on est là, mon ami. Si toi, tu as besoin de quoi que ce soit, on est toujours là avec un grand plaisir pour coopérer avec Radio Mars, l'INOBAC et le Maroc, bien sûr. Okay, bonjour à toute la famille. Je t'embrasse très, très fort, hein.